procédure pour les déclarer bienheureux, ça c'est la procédure de béatification. Tandis que pour la procédure pour déclarer saint, c'est la canonisation. Il faut dire d'abord qu'est-ce que c'est un bienheureux. Un bienheureux est déjà un saint évidemment, parce qu'il est déjà au ciel. Mais l'Église ne lui permet pas encore de faire l'objet des cultes au niveau de l'Église universelle. Aux limites, ces cultes-là au niveau de son pays, au niveau national. Parce qu'il y a encore des étapes pour les confirmer réellement saints. Et alors le mettre dans les catalogues des saints pour qu'ils soient vénérés dans le monde entier. Et ce que nous faisons aujourd'hui pour Mozihirwa, nous avons commencé par cette procédure-là de béatification. Il faut dire que une chose est vraie, l'Église catholique ne peut jamais se prononcer et dire que quelqu'un est en enfer. Hein? Parce que même à la dernière minute, même quelqu'un qui a mal vécu sur terre, Dieu toujours peut le pardonner. Donc l'Église ne peut pas s'immiscer dans les pardons des dés accordés à des personnes. Mais l'Église peut déclarer avec certitude hein, et sans aucun risque de se tromper que quelqu'un est au ciel. À partir de la manière dont il a vécu, à partir de ses qualités et de ses vertus, à partir de certains signes, Je vais donner par exemple l'exemple du martyr de Ouganda, qui sont morts en 1886 à Nyamugongo, lors du roi Kabaka Mwanga. Vous avez vu, ces gens-là ont été arrêtés à cause de leur foi, parce qu'on les obligeait à nier leur foi, ils ont refusé. Certains, on les a mis dans des fûts où il y avait de l'huile qui brûlait à plus de 100 degrés. Mais ces gens-là se lavaient de cette eau-là sans brûler. Ça, ce sont des phénomènes extraordinaires qui montrent que quelqu'un, celui-là, vous êtes en train de tuer le corps, comme dit la Bible, mais en fait, l'âme est déjà au ciel. Vous allez voir, par exemple, le diacre Saint-Laurent. Saint-Laurent, on l'a brûlé sur un bûcher. Mais au moment où on le brûlait, lui-même disait, tournez ici, brûlez encore, parce que ce n'est pas encore brûlé. Ça signifie qu'il y a des signes qui peuvent montrer que quelqu'un est au ciel. Les cas, par exemple, de Mozihirwa, ceux qui ont vécu avec Mozihirwa ici, ils ont vu que c'était un homme extraordinaire, au point de vue de toutes les vertus, de beaucoup de vertus. Que ce soit son amour de Dieu, que ce soit sa dévotion à l'Eucharistie, que ce soit l'amour des pauvres, que ce soit sa simplicité, voilà. Et donc, c'était un homme extraordinaire. De manière que même si vous interrogez les musulmans, même si vous interrogez les protestants, même si vous interrogez les gens qui ont quitté l'Église catholique, tous sont unanimes que Mozihirwa est un saint. Parce qu'en fait, il vivait les vertus que nous vivons de façon, lui, extraordinaire. Des choses que nous vivons de façon ordinaire, lui vivait ça de manière extraordinaire. Voilà. Et alors, l'Église, quand il a déjà ciblé ces personnes-là, pour dire que certainement celui-ci, avec la vie qu'il a menée, il doit être au ciel, l'Église doit commencer la procédure pour la béatification. Et cette procédure doit commencer d'abord par les enquêtes. On doit faire les enquêtes au niveau diocésain. Et les enquêtes au niveau diocésain, vous devez recevoir toutes les personnes qui ont à dire sur Mozihirwa. Pas seulement les personnes qui ont des choses positives à dire, même les personnes qui ont des choses négatives à dire. Si vous pensez que Mozihirwa vous a injurié un jour, si vous pensez que Mozihirwa vous a fait du tort, on vous invite aussi pour donner votre témoignage, parce qu'à ce moment-là, l'Église n'a rien à cacher. Et alors, on fait cette procédure-là pendant une année, on fait des enquêtes, on interroge tout le monde. Et pour votre information, pour Mozihirwa, on a interrogé autour de 120 personnes, parmi lesquelles il y a des catholiques, parmi lesquelles il y a des protestants, parmi lesquels il y a des musulmans, parce qu'il a été aussi évêque à Kasongo, et tous se sont unanimes que celui-là était extraordinaire. Je vous passe de tous les détails, hein, des situations qui impressionnent tout le monde qu'a vécu Monseigneur Mozihirwa et qui montrent réellement que nous, on ne peut pas vivre ça de cette manière-là. Et alors, après ces enquêtes-là, ces enquêtes sont réunies dans un livre, en trois tomes, hein, parce qu'un livre doit rester au diocèse et deux autres doivent aller à Rome. Alors on appelle ces livres-là les actes, les actes diocésains, les actes des enquêtes diocésaines. Alors après avoir réuni ça, nous avons envoyé ça à Rome pour que Rome puisse commenter ce qu'on appelle la phase romaine. La phase romaine consiste maintenant à amener les spécialistes du pape
pour vérifier si tout ce que nous avons dit sur Muzihirwa, c'est vrai. Et donc, à leur niveau, il faut aussi leurs enquêtes. Et si à leur niveau, ces enquêtes sont concluantes, ils disent, ils ont interrogé tout le monde, ils disent non, celui-là, vraiment, c'était un saint par rapport à sa façon de vivre. Alors, à ce moment-là, les organes habilités proposent au pape de les déclarer bienheureux. Et le pape doit signer un acte, n'est-ce pas, reconnaissant comme bienheureux. Et à ce moment-là, on doit organiser sa béatification qui doit se tenir les moments venus ici au diocèse. Parce que selon la nouvelle formule de Rome, la béatification doit se tenir au diocèse et maintenant la canonisation doit se tenir à Rome. Et alors, après la béatification, on doit commencer encore les enquêtes pour la canonisation. Parce que la béatification signifie que c'est comme Anwarit, comme Bakanja. Donc, il est déjà connu, il est déjà pris comme saint au niveau national. Il faut maintenant commencer cette étape-là pour les déclarer comme saint, les déclarer comme saint et l'imposer à le monde, au monde entier, imposer son culte au monde entier et faire un jour où toute l'Église de tous les continents doivent célébrer Muzihirwa. Ça, c'est l'étape de la canonisation. Et pour cette étape de la canonisation, là, on a besoin de miracles. Et miracle est entendu ici comme signe venant du ciel pour montrer que la personne est au ciel. Ça peut être un miracle de guérison. Et quand on parle de miracle de guérison, signifie que il faut que, à travers la personne là qui est proposée comme saint ou bien candidat saint, il faut que, à travers son intercession, quelqu'un puisse être guéri d'une maladie qui était jugée incurable au niveau de la science actuelle. Ouais. Donc on doit attendre un miracle comme celui-là. Par exemple, le miracle de guérison. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui avait un cancer, qui avait déjà été toutes les métastases, et que tous les docteurs ont été consultés, disent non, nous ne pouvons plus guérir ceci. C'est quelqu'un avait un diabète très compliqué, voilà, on dit non, il ne peut pas. Quelqu'un avait, je ne sais pas, une maladie impossible à guérir et pour laquelle tous les médecins, tous les hôpitaux sont déclarés incapables et qu'ils se mettent par exemple en prière et qu'au lendemain, on les trouve guéris. Voilà un miracle de guérison qui ne vient pas du monde. Alors, il faut avoir 5 conditions, 6 conditions pour retenir ces miracles-là comme un miracle de guérison. D'abord, il faut que ce soit une maladie incurable selon la science dans le monde actuel. Donc, deuxièmement, il faut qu'il y ait cette maladie-là soit guérie sans usage de médicaments. Parce que si on use les médicaments, on ne peut plus dire qu'il y a eu un miracle. On va dire qu'il a été guéri par le médicament. Troisièmement, Rome doit envoyer 7 médecins qui font l'expertise et la contre-expertise. Et que ces médecins arrivent à la conclusion pour constater les caractères inexplicables de la guérison. Nous n'y comprenons rien. Et puis, quatrièmement, il faut que cette maladie soit guérie par l'intercession du serviteur de Dieu. Ça signifie que vous avez prié et voilà, il a fait un miracle. Voilà, Dieu a fait un miracle à travers lui et il a été guéri. Voilà. Et puis, cette maladie doit guérir totalement. Pas de rechute, pas de convalescence. Voilà, pas de convalescence. Voilà. Et là, on doit déclarer justement que c'était un miracle. Et avec ce miracle-là, on doit les déclarer comme saint et l'imposer au monde entier, son culte dans le monde entier. Si aujourd'hui, pour Anwarit, ça traîne, c'est parce qu'en fait, les petits miracles qu'on propose, ce ne sont pas les miracles agréés par l'Église. Si tu dois dire par exemple, non, j'ai prié Anwarit, j'étais chômeur, j'ai eu du travail. Mais entre temps, tu as fait un examen. Qui nous dit que c'est le travail et c'est Anwarit qui t'a aidé ou bien ton examen? J'ai buvé, mais je ne vis plus parce que j'ai prié Muzihirwa. Bon, ça, ce sont des petits miracles. Donc, il faut qu'il y ait réellement un beau miracle, indubitable, dépassant la science à l'heure actuelle et que Rome l'accepte après l'expertise et contre-expertise. Après cela, on doit les déclarer canonisés. On n'est pas encore à cette étape. Pour Muzihirwa, on est dans l'étape de la béatification. Après la béatification, on commence la canonisation. L'année jubilaire que nous faisons, c'est le 25e anniversaire depuis l'assassinat de Muzihirwa. Vous savez que Muzihirwa a été assassiné le 29 octobre 1996 et nous sommes dans le 25e anniversaire que nous allons célébrer le 29 octobre 2021. Et donc pour commémorer ces 25 ans de son assassinat, il y a des étapes qu'on est en train de faire. On va essayer de cette année
de nous rappeler, de vivre les vertus de Muzigwa. Voilà. C'est pour cela que chaque mois, il y a toujours une activité, au moins une activité qui est prévue pour célébrer une des vertus de Muzigwa. Hein? Au mois de janvier, nous avons célébré Muzigwa et la parole de Dieu. Hein? Muzigwa et la parole de Dieu. Voilà. Au mois de février, le 2 février, on va célébrer Muzigwa et la vie consacrée. Au mois de mars, nous allons, le 19 mars, nous allons célébrer Muzigwa et la spiritualité à Saint-Joseph. Alors, en avril, il y a Muzigwa et les enseignants, et puis Muzigwa et les jeunes. En mai, Muzigwa et les travailleurs. Donc, on va prendre chaque mois un élément de la vie de Muzigwa. On commémore ça avec une messe, avec peut-être des exposés, avec peut-être des conférences et des théâtres pour revivre les vertus de Muzigwa jusqu'à, n'est-ce pas, le 29 octobre où nous allons maintenant célébrer les 25 ans de l'assassinat de Monseigneur Muzigwa. Vous avez un message adressé à la population et surtout aux chrétiens catholiques? Oui, aux chrétiens catholiques, c'est pour vous dire qu'ils doivent s'approprier la cause de Muzigwa. Ce n'est pas une cause des prêtres, des évêques ou bien de nous qui travaillons dans cette cause, c'est la cause de nous tous. Surtout que Muzigwa, s'il est béatifié, il sera béatifié ici, et les chrétiens de Bukavu seront les premiers bienheureux à voir comment leur pasteur, qu'ils ont vu leurs yeux, sera élevé à la dignité des autels. Signifie, sera déclaré bienheureux par le cardinal qui sera envoyé par le pape. Parce que pour la béatification, les papes envoient les cardinals chargés des causes des saints, et pour la canonisation qui doit se faire à Rome, les papes font ça de lui-même. Donc s'approprier. Et s'approprier Muzigwa, c'est aussi contribuer pour sa cause. Hein? C'est une cause aussi qui demande des dépenses matérielles, et donc les chrétiens devraient aussi contribuer et aller mettre leurs contributions soit à l'économat, n'est-ce pas, à la caisse pour la cause Muzigwa, au compte pour la cause Muzigwa, soit nous contacter personnellement et on leur dira comment ils doivent affecter cela. Parmi les protestants, nous avons quand même 5 protestants. Parmi les musulmans, nous avons quand même 3 musulmans. Et nous avons 2 personnes qui ont quitté l'église catholique et qui sont déjà dans les sectes et qui donnent un témoignage. On verra ce qui va se faire les jours venus. Mais ce qui est vrai, que si Muzigwa est béatifié aujourd'hui, peut-être qu'il y aura encore d'autres édifices plus que les mausolées, parce qu'on doit recevoir aussi toutes ces délégations qui viennent de Rome. D'abord, l'archidiocèse, il faut dire qu'il y a un problème d'abord juridique et administratif. Parce que la place est là, oui, il y a un décret, certes, qui a baptisé sa place Muzigwa, mais la place n'est pas entre les mains du diocèse, c'est la place qui est entre les mains de la mairie. Donc nous ne sommes pas libres de faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut faire comme initiative, là, on doit demander la réponse au maire, plutôt au maire. Cette année, par exemple, on pense améliorer ça et y mettre un gros buste de Monseigneur Muzigwa. Ça, on doit le faire. Mais comme on dit, nous ne pouvons entreprendre aucun travail, hein, n'est-ce pas, sans l'accord du maire. C'est ça. Parce que c'est une place publique et le diocèse n'a pas toute la liberté pour aménager tout ce qu'il veut, étant donné que c'est un lieu public. Bon, c'est-à-dire que Monseigneur Muzigwa a été assis d'abord avec son chauffeur. Et puis il y a d'autres personnes que tu connais, les Biringanine, d'autres personnes qui suivaient après, qui ont été aussi assassinées. Mais je dois préciser, ce n'est pas le fait d'être mort avec Muzigwa que tu deviens aussi bienheureux. Parce que Muzigwa n'est pas bienheureux seulement par le fait d'avoir été assassiné. C'est à partir de toute la vie qu'il a vécue, qui l'a préparé à ça. Hein? Donc, déjà en 1958, quand Muzigwa est ordonné prêtre, demander les témoignages de ses enseignants, parce qu'il était directeur de l'école. Ses enseignants disaient qu'il passait toute la nuit en train de prier. Déjà en 58, il est d'abord jeune prêtre. Et demander les familles qui l'ont connu, quand même ses propres enseignants, on voyait déjà en lui un jeune directeur, un jeune prêtre, mais saint, vraiment convaincant, hein, par rapport à sa vie. Donc Muzigwa, tout n'est pas focalisé seulement dans l'assassinat. L'assassinat, ce n'est qu'un aboutissement de toute une vie qui a été préparée pour cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire parce que son chauffeur aussi a été assassiné, est-ce qu'il est aussi bienheureux? Non, il faut prendre toute la vie de Muzigwa.